Maîtriser les effectifs des agents civils de l'État, des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dans le but, entre autres, de promouvoir les services publics de qualité, c'est le bien fondé de l'opération d'enrôlement biométrique lancée ce lundi 12 décembre 2022 à Brazzaville par le Premier ministre Anatole Coliné Makoso. Organisée avec l'appui de la Banque mondiale, selon la représentante de cette institution au Congo, Korotumu Ouattara, cette opération permettra d'obtenir des données numériques centralisées. Cet enrôlement biométrique qui concerne les agents de l'État déjà recensés physiquement, les agents nouvellement recrutés ainsi que les agents volontaires et communautaires permettra au gouvernement de disposer d'un fichier des agents de l'État qui servira à alimenter et mettre en place le système intégré de gestion des ressources de l'État. Pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, il s'agit d'un défi majeur qui devra permettre la modernisation et la maîtrise des effectifs des fonctionnaires de l'État ainsi que la masse salariale. La problématique de la maîtrise des effectifs des agents civils de l'État et par conséquent celle de la masse salariale est indéniablement une préoccupation constante du gouvernement. Il est souvent, sinon tout le temps, fait grief à la fonction publique congolaise d'une maîtrise aléatoire des effectifs avec une évolution difficilement contrôlable. Le Premier ministre a remercié la Banque mondiale pour son appui à la mise en œuvre de cette opération d'enrôlement. Anatole Coliné Makoso a profité aussi de cet instant pour attirer l'attention des agents commis à la tâche. Conformément à la note circulaire 22-007 PM CAB CAB du 23 novembre 2022. Interpeller les membres du gouvernement et les responsables administratifs sur la nécessité d'assister et d'accompagner les équipes chargées de la conduite de cette opération. Je voudrais surtout leur rappeler, dans le même esprit de la note susmentionnée, qu'aucune complaisance ne sera tolérée. De la sorte, la protection dont pourrait bénéficier un agent déserteur ou fictif de tout supérieur hiérarchique exposera ce dernier à des sanctions exemplaires. Cette opération se déroulera en trois phases. La première concernera le département de Brazzaville, la deuxième les autres départements du pays et la troisième phase les missions diplomatiques et consulaires du Congo à l'étranger.